Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Et oui Patrick, les conversations professionnelles sont parfois spectaculaires et c'est d'ailleurs le cas pour Clémence Hillel qui est fondatrice de la librairie Loiselire à Rueil-Malmaison, anciennement avocate, attention au barreau de Paris. Bienvenue dans Un jour un métier Clémence Hillel. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, je le disais justement, Clémence, vous étiez anciennement avocate au barreau de Paris et puis vous avez changé de métier, quoi. C'est ça que vous avez fait. Complètement. Alors, pour quelle raison ? Pour être tout à fait exact, je n'ai pas fondé la librairie Loiselire, je l'ai reprise. Voilà. C'était une institution rueilloise, donc dans les Hauts-de-Seine, depuis 1981. Ouais. Et moi, effectivement, je n'avais strictement rien à voir avec cette librairie. J'étais avocate au barreau de Paris depuis 2004. Qu'est-ce que vous faisiez comme spécialisation ? Moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait pas mal de pénal. Ouais. J'ai arrêté ensuite, j'ai fait de la responsabilité des commissaires aux comptes et des experts comptables. D'accord. J'ai fait du droit social et de l'assurance construction. D'accord, j'ai fait vraiment rien à voir pour le coup. Rien à voir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cette librairie ? J'ai toujours beaucoup aimé les lettres, les livres, l'odeur du livre, l'objet livre, les histoires. Mmh. Et j'adorais flâner dans les librairies. Mmh. Voilà, et je ne pouvais jamais y rester très longtemps parce que finalement, il n'y a pas de raison non plus de s'y attarder trop. Mais j'adorais, voilà, aller dans une librairie, pour moi, c'était un vrai petit moment de bonheur dans une journée. Et donc, j'avais toujours ce rêve un petit peu d'une deuxième vie possible, finalement, même si j'adorais mon métier, mais de me dire, ben voilà, on peut changer de vie. Et un jour, j'aimerais savoir ce que c'est que d'être libraire. Donc, j'ai fait une formation pendant 15 jours avec un organisme qui s'appelle Book Conseil. Ouais. Et en visio l'année dernière. Et puis voilà, après j'étais retournée à mon cabinet parce que je m'étais dit, bon, c'est sur la ville de Rueil où je voulais m'installer, il y avait déjà beaucoup de choses. Et donc, j'avais refermé le dossier, j'étais retournée à mon cabinet, à mes dossiers, à mes clients. Mmh. Et puis finalement, on m'a rappelé en novembre pour me proposer cette occasion. Ouais, c'est tout frais. Ouais, voilà. Et alors, vous proposez aux Rueillois et aux Rueilloises une sélection de livres, alors pour tous les âges, et puis aussi des jeux, des choses différentes, et puis aussi des activités créatives, etc. Oui. Donc, l'idée, c'est aussi de développer la librairie, que ça soit aussi un lieu de rencontre et d'échange. Exactement. Mmh. Exactement. Le but, c'est que ce soit un lieu, alors pas un lieu de vie exactement, mais un lieu où on a plaisir à venir, mmh. Et où il n'y a pas que de la lecture. Donc, j'ai organisé déjà un atelier jeu. Ouais. Parce que la librairie permet dans sa structure d'avoir un espace où on peut organiser ce type d'atelier. Mmh. Ça a très bien marché. Je me dis que de faire connaître, de faire jouer les enfants, ce qui est pénible dans les sociétés parfois, c'est de lire les règles. Ouais. Et voilà, là, nous, on joue, on apprend les jeux, on propose aux enfants de jouer. Et les parents, forcément, après, si les enfants ils jouent... Ils peuvent bouquiner, traîner, ils ont plus de temps pour eux-mêmes, quoi. Exactement. Vous faites aussi quelques dédicaces. Alors, oui. Ouais, allez-y rapidement. C'est ce qu'on faisait je vais continuer d'en faire, oui. Bon, parce bravo. Que c'est un moment de partage avec les auteurs qui est important. Donc, ce n'est pas que pour les gens de Rueil-Malmaison. Hein. Si vous passez par là pour découvrir Loiselire, écoutez, il faut le faire. C'est à Rueil-Malmaison, effectivement. Et votre adresse de site internet, c'est loiseau-du-6-lire avec un Y, jeunesse-du-6-jeunesse.fr. On vous remercie, Clémence Hillel. C'est intéressant, merci une avocate qui est devenue libraire. Bravo pour votre parcours et très bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir.